香港中文大学外面，抗议学生丢掷汽油弹纵火，和警方发生冲突。几乎同一时间，在地球的另一端，法国里昂第二大学一位22岁的大学生也同样以泼汽油纵火的激烈手段抗议。但是我们看不到纵火的画面，因为他焚烧的是他自己。Aspergé d'essence, ses vêtements s'embrasent rapidement. D'abord pris en charge sur place, il est ensuite transporté à l'hôpital, brûlé à 90%.他选择的自焚地点是里昂地区高教中心大学餐厅的外面，因为他没有钱进餐厅吃饭。在他放火自焚的几分钟之前，在脸书上 po 了一则绝笔信，说明是最近几个月的穷困把他逼上了绝路。Cette année, je n'avais pas de bourse, et même quand j'en avais, 450 euros par mois. Est-ce suffisant pour vivre? 没有拿到相当于台币15,700块钱的助学金。主要是因为他连续两年大二被当，因此也接连失去了其他的权益。Il n'avait plus accès donc à son logement étudiant à tarif préférentiel au Crous. Il a demandé une aide au Crous. Il a demandé rendez-vous aux assistantes sociales le 5 septembre. On lui a refusé l'aide ponctuelle. 房租平均占掉大学生每个月69%的预算，全国平均的学生月租是608欧元。但是根据地区和城市差距很大，巴黎的租金高达其他地区的两倍，除了房租当然还有学费。大学学费平均一年从170欧元到600欧元不等，当然还有教材和讲义等学杂费用，接着就是一日三餐、网路还有电话费。4 étudiants sur 10 sont aujourd'hui boursiers. Ils reçoivent entre 1 000 et 5 600 euros par an. Une aide au mérite est également versée aux étudiants qui ont obtenu une mention très bien au baccalauréat. Elle aussi entre 900 et 1 800 euros par an. 但是对很多学生来说，这显然是不够的。统计显示，法国五分之一的大学生生活在贫穷线之下。这个比例是其他族群的两倍。Pendant 3 mois, j'avais ma bourse échelon 4.qui est à 392 euros, qui payait mon loyer, qui est à 391 euros. Du coup, il me restait 1 euro par mois pour vivre pendant 3 mois. C'était la galère, on mange. 有一半的大学生承认，一天吃不起三顿饭，生病的时候因为没有钱而放弃就医。每周一都有200多名学生在这所大学的互助合作社大排长龙，等着领取少许免费的食物。Je suis salarié McDo à côté aussi, donc c'est aussi ça aussi la vie étudiante, c'est-à-dire que une fois qu'on est salarié, et ben on va surtout penser au travail et pas à nos études. Ouais, c'est ça. Ça divise par 3 les chances d'obtenir son diplôme à la fin de ses études. 这位学生悲剧性的自焚也是一个政治控诉。J'accuse Macron, Hollande, Sarkozy et l'Union européenne de m'avoir tué.En créant des incertitudes sur l'avenir de tous et toutes. 他的自焚一触即发的点燃了大学校园的熊熊怒火。愤怒的大学生在全国40几个城市的高教中心前面抗议。在巴黎示威的部分学生更直接瞄准了高等教育部。Les grilles du ministère finissent par céder. Ils sont alors plusieurs dizaines à s'introduire dans la cour.Avant d'être repoussé par les forces de l'ordre. 一星期之后，前任总统欧兰德原定应邀要到北部的里尔大学演讲，分享他刚刚出版的新书。但是愤怒的学生冲破了维安的警力，闯进演讲厅阻挠欧兰德演讲。因为纵火自焚的那位学生直接指控欧兰德，最后欧兰德只得在警方的保护之下仓促离开。同样被点名的马克宏自然也躲不过这一关。Mais on parle de gens qui ont rien à manger, donc on leur dit bah ce sera l'année prochaine que vous mangerez, mais c'est tous les jours qu'on mange nous. 马克宏选择了主动迎战怒火冲天的学生。回到他曾经也是一名年轻学生的故乡，
单枪匹马面对面回应大学生的提问。Vous diminuez de 5 euros les appels pour les étudiants. Le ticket rue augmente de 5 centimes.L'accès au logement est de plus en plus difficile. Il y a aussi, par exemple, le coût de la sécurité sociale étudiante qui a été supprimé de combien d'euros par an ? Oui, bien sûr, ça a été une grosse somme de 230. Merci. 马克宏企图修复和大学生的关系，但努力并没有奏效。大学的抗议行动继续升温，贫穷致命是他们的口号。里昂第二大学学生更进一步发动封校，向政府施压。校方目前已经宣布停课。600 000 à 3 000 000 ça veut dire qu'on a fait, et ce qui est une bonne nouvelle, on a amené à l'université, j'allais dire les enfants des gilets jaunes pour faire une carte postale, c'est un peu ça. Et donc ils ont, j'allais dire, les problèmes économiques qu'ils ont aussi chez eux, leurs parents. Enfin, je veux dire, bon, ça c'est tout à fait clair. Et sans doute qu'on n'a pas fait adapter. Et je vais vous dire, le principal problème c'est le logement. Là où on a été nul, c'est sur le logement. 彻底震撼了马克宏政府的黄背心运动里面，并没有年轻人，几乎没有学生。但是学生一旦决定动员串联，他们的杀伤力绝对远超过黄背心。没有哪个政府敢忘记1968年的五月学潮。100% des jeunes travaillaient en plus pour se payer leurs études, ce qui n'est pas forcément ce qu'on pense immédiatement en pensant aux étudiants des années 60. 但是大学生的穷苦的确是68年学潮的社会背景。Mais en tout cas, ce texte-là, publié d'abord à quelques milliers d'exemplaires,Il a commencé en 66 donc à Strasbourg, il s'est développé. En mai 68, c'est des centaines de milliers d'exemplaires qu'on va trouver sur les campus et qui est un des facteurs aussi de ce moment étudiant. 1968年的大学生也许同样清苦，但是他们相信自己可以改变世界。他们没有钱，但是他们对未来充满了希望。Et parce qu'en fait, c'est censé être un sas d'entrée à la vie d'adulte. On est la première génération qui vivra moins bien que ses parents.被学生围堵落荒而逃的前任总统欧兰德曾经说过一句被广为流传的形容词，学运就像一条牙膏，一旦被挤出来之后就再也收不回去了。 Les étudiants ne comptent pas laisser retomber la pression. À Lyon 2, ils ont voté un nouveau blocage de l'université dans les jours à venir. Les syndicats appellent aussi à une manifestation sur tout le territoire le 5 décembre prochain. 马克宏虽然熬过了上周黄背心的周年纪念，但是十二月五号才是真正的考验。没有在马克宏修改劳工法时合作的三大工会联合发动了十二月五号的反退休改革罢工。L'hôpital, les transports, on a vu les policiers également s'annoncer. On a parlé du personnel au sol du contrôle aérien. 当然，还要再加上最具影响力的学生。这也是自黄背心以来首次传统式各个工会大规模动员，社会抗争又回到由工会领导的传统模式。马克宏能不能轻松地庆祝自己十二月下旬的42岁生日，要看他能不能够顺利通过十二月五号的高压测试。